Et les voilà partis pour cette première course, le prix Colonel Bido, 3300 mètres à parcourir pour des pouliches de 3 ans. Un excellent départ pour le numéro 13, Enodream, qui s'installe tout de suite en tête avec bien parti également le 12, Clic-Clac, Sivola. On est bien parti également avec le 10, Viva Brasilia, tandis que le numéro 8, Preti du Calon, se montre pour l'instant un peu brillante. On est bien parti également et on intègre le groupe de tête tout de suite avec le numéro 3, Apple Jade, à l'arrière-garde, le numéro 11, Lauréate, accompagné par le numéro 1, Lavoie, qui se montre également un petit peu brillante, tandis que le numéro 5, Rosa Work, ferme pour l'instant la marche. Premier obstacle franchi avec une énorme faute et une chute malheureusement du numéro 8, Preti du Calon, qui s'est débarrassé de son partenaire Thomas Bourin. Concurrentes qui vont aborder un nouvel obstacle, toujours sous la conduite du 13, Enodream, alors qu'on saute de façon assez aléatoire avec le numéro 6, Olifla, qui est pour l'instant parmi les dernières, et on saute plutôt bien avec le numéro 13, Enodream, qui est toujours très concentré, qui est en tête, accompagné par le 12, Clic-Clac, Sivola, tandis que côté corps vient pour l'instant le numéro 3, Apple Jade. On est bien parti également avec le numéro 7, Polymamba, qui est pour l'instant sein du peloton, accompagné par le numéro 9, Work of Art, tandis que la favorite est pour l'instant en la dernière partie du peloton, se montrant un petit peu brillante. Concurrents qui sont dans ce qui sera tout à l'heure le dernier virage, toujours sous la conduite du 13, Enodream, un petit peu contrarié par le numéro 8, Preti du Calon, qui galope en liberté sans son jockey. La deuxième position toujours pour le 12, Clic-Clac, Sivola. On est pour l'instant troisième côté corde avec le 3, Apple Jade, accompagné à son extérieur par le numéro 4, Viva Brasilia, tandis que le numéro 9, Walk Orc Art, est pour l'instant en 5-6e position avec le numéro 7, Polybamba, qui est toujours au contact des premiers. On se rapproche côté corps plutôt avec le numéro 2, Netcam, tandis que le numéro 11, Lauréate, est pour l'instant dans la seconde partie du peloton. Et à l'arrière-garde, toujours la favorite Las Lavoie, accompagnée par le numéro 5, Rosa Work, et c'est pour l'instant le 6, Holy Flight, qui ferme la marche. Concurrent qui passe devant les tribunes, toujours sur la conduite des mêmes, avec le 10, Viva Brasilia, qui s'est maintenant installé en tête, toujours accompagné par le numéro 12, il s'agit de Clic-Clac, Sivola. On est passé en troisième position avec le 3, Apple Jade, tandis que l'animateur de la première épreuve, le numéro 13, Enodream, commence à perdre quelques rangs, et on se rapproche avec le numéro 9, Work of Art, qui vient au contact des premières, où se trouve la favorite. Elle est pour l'instant parmi les dernières, mais avec, semble-t-il, quelques ressources. Sortie de l'avant-dernier virage, toujours sur la conduite pour aborder la ligne opposée du numéro 10, Viva Brasilia, accompagné toujours par le numéro 12, Clic-Clac, Sivola. On est toujours au contact avec le numéro 7, Polybamba. On est bien placé côté corde avec le numéro 3, Apple Jade. Et on tente maintenant de se rapprocher avec le numéro 9, Walk of Art, où est la favorite, Kazakh de jaune de Jeanne Hollande, et pour l'instant toujours à l'arrière-garde. Mais son jockey va maintenant tenter de la rapprocher alors que les concurrentes sont maintenant au milieu de la ligne opposée. Ligne opposée abordé toujours en tête par le numéro 10, Viva Brasilia, avec à son intérieur le numéro 3, Apple Jade. Son jockey s'est retourné pour savoir où étaient ses adversaires. On tente de se rapprocher avec le numéro 9, Walk of Art, mais également avec le numéro 11, Lauréate, tandis que la favorite, Las Lavoie, commence à quitter les derniers rangs. Concurrent qui aborde maintenant le virage final, encore deux à franchir, toujours sur la conduite maintenant du numéro 3, Apple Jade, qui est accompagné par le 10, Viva Brasilia. On a des ressources côté corde avec le numéro 7, Polybamba, mais également avec le numéro 9, Walk of Art, tandis qu'on se rapproche à l'extérieur avec le numéro 11, Lauréate, tandis que la favorite Las Lavoie tente de quitter l'arrière-garde, mais encore assez loin des premières. Encore deux haies à franchir sur la conduite du numéro 3, Apple Jade, qui l'a franchi et qui va, semble-t-il, sauter en tête la dernière haie, accompagné par le numéro 7, Polybamba, alors qu'on se montre menaçante avec le 10, Viva Brasilia. Dernière haie franchie par le numéro 3, Apple Jade, qui va certainement s'imposer, alors qu'on note une chute à l'arrière-garde sur le numéro 13, Enodream, les concurrents qui sont à 100 mètres de l'arrivée, et c'est le numéro 3, Apple Jade, qui va s'imposer. La deuxième place va certainement revenir au numéro 10, Viva Brasilia, devant côté corps le 6, Holy Flight, et ce serait le numéro 7, Polybamba, qui se classerait quatrième. 3, 10, 6 et 7, peut-être avec une photographie, Laurent, pour la deuxième place. J'étais pas très bien placé, en tout cas balade de santé pour le 3, Apple Joyce, même si Emmanuel Clayeux préférait peut-être le 2 pour aujourd'hui, Netcam. Assez pointu quand même pour la deuxième place, Laurent, non? Peut-être le 10 à l'extérieur? Moi, je pense que c'est le 10 devant le numéro 6 et le numéro 7. Exactement. On va quand même mettre une photo par protection. Ouais. Et donc la victoire pour Emmanuel Clayeux, la monte de l'instant.